J'ai même l'impression que les volets ne sont plus exactement ouverts de la même manière, ce qui est assez surprenant. C'est ça en fait que je trouve le plus dingue. Normalement, c'est quoi ça? très nettement, ce nuage d'environ 2 mètres de circonférence passait derrière moi. On a même l'impression qu'il s'enfuit vers la droite, un peu comme s'il avait été surpris par le fait que je me retourne. Calme-toi, calme-toi. Salut à tous. Bon ben, c'est Mister Bowling, c'est toujours le même. Je viens juste d'arriver avec Bill. Oui, on est venu en voiture et pas en soucoupe, malheureusement. Donc voilà, je viens visiter donc le domaine de Tanaïs, qui est situé à Blanquefort en Gironde, donc qui est à environ une cinquantaine de kilomètres de chez moi. Et donc ben, le domaine de Tanaïs, ouais, donc le château, devenu connu grâce à aux vidéos d'internet, donc sur YouTube, GusDX, qui est un chasseur de fantômes, qui est venu en 2014, en été 2014, faire une chasse aux fantômes ici, enfin une chasse aux fantômes, essayer de rentrer en contact avec des esprits, des entités, et donc voilà, il y a eu quelques petits résultats. Pour ma part, bon ben, on y croit ou pas, hein, mais moi je vous le dis, j'y crois un peu, parce que dans ma famille, il s'est déjà passé quelques événements un peu... Bon voilà, un peu assez étrange. Et j'ai tendance à y croire un peu. Donc là, je viens juste d'arriver. Voilà, j'ai garé ma voiture derrière. Je viens juste d'arriver. Et première réaction face à ce château, bah, ouais, c'est... Oula. C'est... Ouais, impressionnant. Enfin, impressionnant. Bah, d'habitude, j'avais l'habitude de le voir sur internet, en vidéo. Mais là, je le vois réellement. Et... Ouais, c'est une belle bâtisse. Hein. Il faut savoir donc que ça a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Que ça appartenait aux Allemands. Enfin, que ça appartenait aux Allemands. Il y a eu des baraquements de feu dans la forêt que vous voyez derrière moi. Et on va justement essayer d'aller voir la fameuse maison K qui a appartenu aux Allemands à l'époque de la guerre. Donc c'est là-bas. Donc ici c'est un parc libre au public, hein, c'est un parc communal de promenade. Hein. Et voilà, donc on va aller se promener. Et puis donc là ce que je voulais voir déjà c'est ce château. Et là ici, là, où c'est là que c'était mis GusDX pour faire une session de PVE le soir. Et là, sur cette fenêtre là, à cette fenêtre là, en haut, ici, celle-là, GusDX a montré une photo qu'on lui avait envoyée lors d'un mariage qui a été organisé ici, en bas. Et à cette fenêtre là, ben, il y a eu, on voyait une silhouette blanche, un peu comme un fantôme. Bon. Mais bon, cette photo, il y a des grandes chances que, comme ça a été dit, qu'elle soit truquée. Mais c'est tout de même intéressant, voilà. Or, je ne vais pas visiter le château, hein, parce que déjà, bon, c'est interdit, puis je ne sais pas par où il faut passer, même si Gus et d'autres personnes ont réussi à le visiter. Mais bon, moi, je ne veux pas prendre le risque de m'y aventurer. Hein. Déjà, je l'ai vu de l'extérieur, c'est déjà très bien. Vous voyez qu'en bas, là, c'est ouvert. Hein, là, c'est ouvert. Bon, je pense à que les intempéries, ça, voilà. Et bon, bah écoutez, bah je vais partir un peu en marche, hein, et puis visiter un peu le domaine également, hein, voir un peu comment c'est, et puis voilà. Bon, par contre, je n'ai pas prévu de rester cette nuit.
je ne vais pas faire, non, parce que je n'ai pas l'occasion de toute façon de passer la nuit ici, et puis même, je ne sais pas si j'en aurai vraiment le courage. J'entends quelques bruits, hein. je reste sur mes gardes, puis bon. Ouais. En même temps, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il pleut un peu, il y a du vent. En ce moment, je voulais venir hier, mais il y avait beaucoup trop de vent, donc laisse tomber. Donc j'ai préféré venir aujourd'hui, c'est plus calme. Mais bon, là je vois qu'il pleut un peu, bon j'espère qu'il va pas trop pleuvoir hein, pour la caméra. Mais bon, voilà. Ouais. Bon allez, je vais me préparer, puis on va partir, on va découvrir la forêt, et puis on va essayer de trouver la maison K. Je pense savoir où elle est dans cette direction, j'ai regardé. Puis j'espère qu'elle y est encore, hein, qu'ils n'ont pas démoli ou qu'ils ont fait des travaux dessus. J'espère qu'ils l'ont laissé telle qu'elle. Allez, on y va. Allez, donc là, je vais partir en marche vers la forêt. Donc là, tout à l'heure, quand je vous parlais, j'ai entendu un bruit, là, une sorte de claquement à un moment donné. Mais là, je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a aussi les bâches là-bas, des cerfs, qui ont tendance à bouger avec le vent. Elles viennent juste de le faire, là, ça claque. Et je pense que c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Cela dit, j'ai entendu un bruit venant de là-bas, de cette maison. Mais bon. Allez, donc là, vous voyez un premier petit écriteau, là, avec donc le parc. Voilà, écosystème, rapporté, voilà. Ah ouais, des espèces rapportées des quatre coins du monde, ça. À l'ancien château, ah ouais, c'est bien. Hein. Non, mais voilà, c'est bien de venir ici, même pour voir la nature, tout ça, et ainsi que l'histoire du lieu. Là, il y a également notre écriteau. Je vais faire un peu mon promeneur. Tamaris. Ah oui, d'accord. Donc là, ça en fait, ce sont des écriteaux donc décrivant les arbres qu'il y a. D'accord. Il y en a un autre là-bas. Bon. Et là, il y a. Après, on y va. Hein, je vous rassure, on va pas non plus rester. Je vais pas rester devant une heure devant chaque panneau. Je regarde. Hein. Je découvre. Bienvenue sur le sentier de Tanaïs. Des panneaux, ouais. Vous êtes ici, donc nous on va partir là, de là on est là, et on va passer là-bas, on va ouais. Donc là oui, au niveau de l'heure il est environ 14h je crois. Attendez, je vais regarder. Voilà, bon allez, on est parti. Donc j'ai regardé l'heure, oui, il est 14h45, donc pratiquement 15h. Je suis parti de chez moi en Dernos à 13h environ, un peu plus de 13h. Donc il y a, ouais, 13h. Le temps de trouver, donc ouais, j'ai 13h, 14h, ouais. J'ai même un peu plus d'une heure. Donc j'entends je crois que c'est des corbeaux crier. Je sais pas s'il y a des pigeons. S'il y a des pigeons, ça va, je vais me sentir à l'aise. Je connais bien ces oiseaux-là, hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos. Vous voyez, là-bas. Tac, on peut apercevoir un peu ma voiture dans le coin. Hein. Coucou. Tu restes là-bas, hein, tu t'en vas pas toute seule, hein, ne fais pas le coup. Voilà. Alors, je vais vous raconter un peu, donc, pour ceux qui... Donc, un jour, donc, ouais, après que Guzik soit venu ici, Bibix, un autre youtubeur qui est connu, je sais pas, il est venu voir... justement Gus DX à Bordeaux, car bon, Bibix lui aussi a, je crois, bon, peut-être quelques croyances envers le paranormal, enfin il a tendance à s'intéresser à ça, et ils sont venus tous les deux, ben en fait à la maison K, ils sont venus ici pour repeindre un peu les murs, car en fait des jeunes étaient venus dégrader les murs de la maison pour en inscrivant ouais, Gus DX, Bibix, enfin des choses comme ça, et tous les deux étaient venus en 2015, ouais, pour réparer un peu les bêtises des autres. Donc bien sûr, moi je viens ici, c'est pas pour dégrader les lieux en écrivant Gus DX ou je ne sais quoi, non. Ni même écrire mon pseudo. non, je viens pas pour ça, moi je viens juste visiter et voir. C'est vrai que l'endroit est devenu connu, hein, grâce à ces vidéos. Il n'y a pas que Gus DX qui est venu. Enfin, là, le tout premier, je pense, chasseur de fantômes qui sont venus ici, c'est Gus DX. Après, d'autres sont venus par la suite. Et voilà. Mais c'est ça qui est bien. Bon, ça a rendu
l'endroit beaucoup plus connu. Mais après, l'avantage, c'est que bon, voilà, faut que ça reste naturel encore. Faut pas que ça devienne un endroit entre guillemets commercial parce que des chasseurs de fantômes sont venus là et qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Vous voyez ? Bon, bref. C'est assez sympa à voir. Donc là, il y a un lac. Alors, je ne sais pas si je vais trouver le lac asséché, l'étang asséché, où c'était apparemment noyé à l'époque un enfant qui avait environ, je sais pas, 7 ans. Un enfant, un garçon ou une fille, je ne sais pas, qui s'était noyé ici. Je ne sais pas où est-ce qu'est ce lac, mais bon, on va voir ça après. Et donc, oui, tout à l'heure, je vous parlais de Ibix. Et il faut savoir que oui, quand ils étaient venus tous les deux, déjà ils avaient eu des problèmes de batterie avec leur caméra, comme Gus DX l'avait eu à un moment donné. Hein. La voiture de Bibix n'arrivait pas à redémarrer. Alors que tous les niveaux avaient été faits, c'était une BM, tous les niveaux avaient été faits, tout avait été contrôlé. Pourtant il n'arrivait pas à redémarrer. Impossible. Et lorsqu'il avait voulu programmer son GPS parce qu'il partait de Toulouse pour venir jusqu'ici. Eh bien, ça, il avait mis à peine quelques lettres et ça avait directement trouvé le domaine de Tanaïs. Et ça l'avait un peu surpris parce que moi, mon GPS, pour mettre le domaine de Tanaïs, c'est impossible. Il faut vraiment le chercher sur la carte. Donc bon, voilà, on va voir. Hein. Je ne dis pas que je vais avoir, que ça va marcher, que je vais trouver, que je vais réussir à chasser des fantômes ou des esprits ou des entités. Hein. Je viens juste par curiosité, puis aussi pour visiter. Je voulais venir dans la réalité, mais je viens. Puis voilà. Donc là on arrive un peu à l'intersection et on voit là-bas une première chape d'une ancienne maison ayant appartenu aux Allemands à l'époque de la guerre. On va y voir ça. Un chemin bétonné. Qui servait pour les véhicules de l'armée allemande à passer. On va aller voir la chape qui est là-bas. Donc là, on voit qu'il y a un bâtiment qui est quand même qui a l'air beaucoup plus récent. Hein. Il y a un bruit. Je vous ai dit, il y a du vent. Je vais pas rester non plus hyper longtemps. Hein. Je viens. Parce que après, bon, je veux pas rentrer trop tard non plus, parce qu'après il y a du monde sur la route. Je veux rentrer peinard. Mais je viens surtout pour visiter, me balader, pour voir au moins. Je suis venu, j'ai vu, puis basta. J'ai vécu, comment on dit déjà? La phrase de Jules César, il me semble, je ne sais plus. Bref. Allez, première chape, on va aller regarder ça. Voilà, donc on arrive sur une première chape, vous voyez. Ça vous dites-vous que ça date des années. Je me permets de toucher. Ah, ça date de la guerre. De 39-45. Voilà. Donc ici, il y avait les Allemands qui étaient. Voilà. Une première chape. Donc d'un ancien baraquement. Une ancienne maison. Il ne reste plus que les fondations. Allez, on repart. On va se diriger vers le chemin. Donc là, on va prendre le chemin où était passé Gus. Je vais souvent parler de Gus. Hein. Ben, c'est quelqu'un que j'ai tendance à apprécier quand même. Et puis sa vidéo m'a marqué, m'a intéressé. Je l'ai souvent regardé. Puis c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a donné envie de venir ici. Alors, on entend encore... Attends, je vais mettre un peu ma caméra en face de moi. Vous puissiez me voir un peu de temps en temps. Vous entendez, il y a quelques bruits autour. Alors par contre, il faut savoir que j'ai ma bouteille d'eau qui est derrière mon sac là. Je sais pas si on la verra. Parfois, bon, quand je marche, ça a tendance à bouger forcément. Donc l'eau, parfois, ça gloup 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 un peu. Donc ça c'est normal si on entend ce bruit. Et à la caméra, c'est... Voilà, c'est l'eau. Hein. J'ai entendu une sonnerie de voiture. La route n'est pas loin. Hein. La route n'est pas loin. Les habitations également. Il y a beaucoup de choses quand même aux alentours. Donc c'est normal qu'on entende... autre chose. Donc là, voilà, on arrive sur la partie. On est arrivé de là-bas tout à l'heure. Et là, c'est ici, donc, ici, ou un peu plus loin.
que Gus avait vu une brume passer. Je crois que c'était là, hein. Il me semble que c'était là. Parce que là, ça sert à rien de continuer. Enfin, là-bas, c'est... Je préfère passer par là. Je crois que c'est par ici, il me semble. Et je crois que c'est là-bas, il me semble, qu'il y a la maison K. Parce que là, elle était grillagée. Parce qu'en 2015, sont venues d'autres personnes. Et elle était grillagée. Et c'est le même grillage qu'il y a autour. Alors, si c'est grillagé... Alors, les personnes avaient quand même réussi à rentrer à l'intérieur. Je vais voir si c'est encore grillagé ou non. Enfin, je pense que oui, mais... Je vais voir s'il y a un petit espace, si je peux éventuellement rentrer. Bon, ben, je vais essayer. Après, si je le sens pas... Enfin, je vais voir sur le moment. Mais si je le sens pas, je rentre pas. Mais déjà, s'il y a encore, au moins qu'on puisse la voir... de l'extérieur, au moins je l'aurais vu, voilà. Même bon, et si elle y est plus, je sais pas s'ils ont fait des travaux ou autre, parce que s'il y a tout ce grillage, c'est pas pour rien. Bon, mais au moins je me dis, bon, moi je suis venu là où sont venues d'autres personnes sur YouTube. Puis bon, j'ai l'occasion de revenir, ce n'est pas non plus très loin de chez moi. Attention, ah, tir à l'arc, défense d'entrée. Ah, d'accord, ok. Tir à l'arc. Ah, ben, elle est là, la maison, je crois. C'est ça. C'est ce bâtiment-là. Parce que la maison K est l'une des dernières maisons au baraquement étant encore accessible. Enfin. Je crois bien. Et je crois bien que c'est ça. Hein. Bon, là, par contre, je peux pas passer. Donc, je vais. Je vais faire le tour. Donc j'ai contourné. Donc ouais, j'ai vu, il y avait un grillage avec écrit, vous avez vu, un panneau tir à l'arc. Oh, bon, oh, j'ai fait le tour, la maison K doit être là-bas, par là. Juste attention. Donc là, on est dans la forêt. Bon, je vais aller voir, mais c'est clair que le bâtiment qu'on a vu là, ah ben il est là-bas. C'est clair que c'est la maison K, c'est clair et net. Oui, c'est ça. Ça ressemble. Ah ouais, ça fait bizarre hein, quand même. Parce que c'était dans cette direction, c'est ici, c'est ici. J'appréhende un peu quand même de me rapprocher, vous voyez. Bon, déjà le fait, bon, après je veux pas non plus. Bon, on a le droit de venir là. Hein. Après le grillage, il faut pas le dépasser, mais. Ah oui, d'accord. Ah oui, vous voyez, regarde. Ils font des épreuves tir à l'arc, il y a une cible là. D'accord, ah oui, ils ont grillagé, ben oui, par sécurité forcément. Mais ça, c'est bien la maison K. Eh oui, c'est, ça ressemble et c'est ça, c'est ce que c'est la seule qui reste. Ah ouais. Mais je vais essayer. Eh oui, mais on peut rentrer, ben oui. Parce qu'il faut bien qu'ils rentrent, les gars qui font du tir à l'arc. Il y a un espace là, non? Par où il passe? Je vois que là, c'est... Ah, mais c'est ça, hein. Je filme pas très bien, excusez-moi. Ah, il y a du barbelé. Ah, c'est ici. Bon, je fais le tour, je regarde un peu. Là, je vois qu'ils ont mis du grillage partout autour. C'est ici. Attendez. Je vois rien. Mais... Non, mais c'est bien ça, hein, c'est ici. Ouais, c'est ça. Donc là, apparemment, ils font des courses de VTT. Il y en a eu une pas longtemps, il y a pas longtemps. Par contre, je vois pas la lettre K, le panneau avec écrit K dessus. Non, mais c'est ici. C'est la seule, de toute façon. Et elle ressemble bien, c'est celle-là. Puisque c'était dans cette direction, c'est ici. Et oui, c'est celle-là. J'ai réussi à passer. Alors, je vais y aller tranquillement, je vais pas faire de bruit.
En fait, ce que j'ai le plus peur, c'est que quelqu'un arrive et me surprenne là. J'ai pas envie de me faire engueuler. Oh purée. Ah ouais. Sud-ouest. Je vais dire bonjour. Bonjour. Regardez. C'est impressionnant quand même. Je fais attention parce que là. Oh purée. La bouteille. Je viens ici. Uniquement pour visiter, je ne reste pas longtemps, je viens juste voir. Un peu votre histoire. Et je vais vite partir, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne sais plus dans quelle pièce c'était, mais c'était dans une de ces pièces-là. Où Gus avait été compris d'un burn-out, où on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est endormi, il n'était pas bien. Je vais partir, j'ai vu. Je vais partir. Je vous souhaite un bon repos. Voilà. Je ne vous dérange pas plus. Je venais juste regarder. Voilà. Allez, je m'en vais parce que l'ambiance quand même est. Allez, c'est bon, j'ai vu. Vous avez vu hein, qu'il y avait encore des inscriptions écrites à hein, Gus. Hein. Voilà, qui sont revenus taguer. Donc, vous voyez cette maison hein, qui a été mise à l'abandon. Hein. Je fais attention parce qu'il y a des gens qui arrivent derrière. Et j'ai pas envie qu'on me... que l'on m'engueule. Et donc, en fait, ouais, c'est ici qu'ils font des parties de tir à l'arc en fait. C'est pour ça qu'en fait c'est grillagé. Et vous voyez que là il reste encore une maison. Tir à l'arc, mais je vais pas y aller, mais ce n'est pas la même maison. Ouais. Voilà, c'est pas la même maison. Tir à l'arc. Ouais, c'est impressionnant quand même. Mais en tout cas, vous voyez, je viens au moins deux ans après le passage de Gus, quasiment. La dernière fois qu'il était passé, c'était en 2015. Et ben voilà quoi, hein, il était passé. Puis vous voyez, je reviens en 2017. Mais vous voyez qu'il y a encore quelqu'un qui est venu taguer la maison avec écrit « Hey Gus ». Voilà. Contre. Alors là, je sais pas par où c'est. Je
sais pas où est-ce que je vais. Donc là, je vais plus loin. Et là, eh bien, dans ce coin-là, mais là, il y a, on se rapproche en fait des habitations, en fait. Hein. Il me semble, hein, je dis ça. C'est quoi là? Je sais pas ce que c'est, il y a une entrée. Bon. Bon, je vais repasser là-bas. Par contre, je suis un peu embêté parce que là, au moment où je suis sorti en fait du grillage, ben, j'ai vu qu'au loin il y avait des promeneurs. Donc j'espère qu'ils doutent de rien quand même. On va laisser marcher un peu. De toute façon, apparemment, là, on peut pas aller plus loin. Enfin, à part là-bas, mais bon. Je préfère pas. Voilà, là-bas, c'est. Je voulais surtout voir la maison K. Je l'ai vue. Bon, voilà. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est, oh, c'est, des... Oh, c'est des poteaux. Bon. Mais on va repartir, ouais, mais c'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait cette maison là ici, à côté de la maison K. Alors par contre il n'y a plus le. Je vais en parler après, mais là ici, là, il y a cette maison encore. Et derrière la maison K, mais il n'y a plus le. La pancarte avec le K dessus. Ça n'y est plus. Ouais, c'est bon, ils ont tourné. J'ai eu peur que j'étais pas très à l'aise. Hein. Je sais que c'était des promeneurs, donc ils ont rien à voir. Ils se contrefichent qu'il y ait quelqu'un là-dedans, mais bon, moi je veux pas qu'on pense que je dégrade, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas. Après, je vous conseille pas non plus de venir faire ce que j'ai fait là, parce que bon, je suis rentré un peu bon par effraction, quoi, c'est interdit. Hein. Mais bon, j'avais beaucoup trop envie de venir. Je suis pas venu pour rien, je voulais au moins voir, visiter. Et non pas dégrader, hein, je vous rassure. Bon, moi, vous avez vu, j'y suis rentré. On a vu, voilà. On est content. Alors voilà la maison. Ouais, je n'ai pas vu la pancarte avec écrit le K dessus. Mais peut-être qu'il a enlevé, ou alors c'est de l'autre côté, je ne sais pas, il me semblait que c'était là pourtant. Endroit assez particulier. Vous voyez, on entend une voiture passer à côté. Ça, il y a beaucoup de bruit ambiant. Alors, quand j'étais dans la maison, j'entendais des gouttelettes, hein, des gouttes tomber parce qu'il a plu. Hein. Donc, forcément, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. J'ai entendu un. Ah, il y a une voiture là-bas. J'ai entendu un bruit. Et ouais, voilà quoi, il y avait des gouttelettes là, des je sais pas, qui tombaient. Je vais repasser par là, histoire de faire un peu le tour encore. Des gouttelettes qui tombent, et ça faisait du bruit quoi, ça clac, clac, clac. Et du coup, c'est assez. C'est pour ça que si vous voulez vous lancer. Dans la chasse aux fantômes, enfin aux entités, aux esprits, ce que vous voulez. Venez un jour déjà où il n'y a pas trop de vent. Et quand. Un temps sec, quoi, pas humide. Parce que là, vous voyez, il a plu. Et on entendait les gouttelettes tomber du bois. Voilà, je la filme encore un peu. Puis après, je vais retourner au château. Oula, il faut y prendre les branches dans les yeux là. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Allez, je repars là-bas. Au moins, vous aurez vu un peu. Hein. Puis moi aussi, j'aurais vu. Hein. Déjà, je viens pour moi. Puis bon, voilà, je vous fais une petite visite, comme ça. On va mettre du feu. Ouais, c'est. Alors, je ressens. Voilà, je ne ressens pas grand chose, enfin,
Enfin, une fois dans la maison, quand même, on ressent une... Peut-être pas une présence, mais... On n'est pas... Bon, je vais là, c'est là-bas. Pas une grande aise, quoi, vous voyez. J'étais pas... Pas à l'aise, un peu... Bon, de peur, déjà, de tomber sur quelqu'un... Même à la limite, un squatteur, bon, même si... Squatter dans ce genre de bâtiment délabré, c'est pas le top, parce que bon, c'est assez dangereux. Et puis bon, voilà, c'est, de toute façon c'est fermé. Enfin, même si c'est fermé, ça les empêche pas de rentrer, mais... Bon, c'est pas le bon milieu, quoi, je veux dire. Que ce soit des SDF ou des squatteurs, ils vont souvent dans un endroit qui est un peu plus convenable, quoi. Mais bon... Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, hein, parce que bon, c'est un endroit... Ouais, surtout ça, la peur déjà de tomber sur nez à nez avec quelqu'un, voilà, par surprise, peu importe qui. Après, est-ce que c'est une peur aussi... Enfin, une appréhension due... Bon, avec les entités ou autre. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. J'ai envie d'y croire, hein, mais je ne sais pas. C'est... Non, moi, ce qui me faisait déjà le plus paniquer, ouais, enfin, où j'étais moins à l'aise, c'est ce que je vous disais, c'est de tomber dans la neige avec quelqu'un. Mais bon, voilà. Après, c'est clair que si vous venez la nuit, mais là, nos peurs changent. Oui, on a peur de tomber avec quelqu'un de spécial. Mais autre, on peut aussi avoir peur de tomber sur un animal qui peut vous attaquer. Hein. Mais aussi, bon, ben, la nuit, c'est une ambiance complètement différente. Et là aussi, on a un peu l'appréhension de tomber. Enfin, de tomber, j'arrête pas de dire tomber. Enfin, de découvrir via une expérience des entités ou voilà. Donc c'est particulier quand même. C'était vraiment pesant quand même, hein, comme j'étais pas tout à mon aise, hein, quand même. Bon, allez, on va retourner au château. Donc c'est par là. On va y retourner. Je vais continuer un peu ma route là-bas, là, voir un peu. Et puis puis voilà. Bon, excusez-moi par contre si je parle un peu bizarrement, ou je bafouille, parce que en même temps je regarde, je découvre, hein, je suis pas forcément concentré sur la caméra. Donc ouais. Puis bon, voilà, je fais attention aussi. Là où j'étais, voilà, dans la maison de cage, je pensais plus trop à la caméra. Ah oui, là-bas il y a quelqu'un qui se promène. Bon, on va continuer la route vers... ouais, vers... Là-bas, je sais pas, je vais voir. Oui, oui, il y a des problèmes. Donc là, c'est bon. Mais j'ai pas trop envie de retourner vers la maison car. Pas trop envie. Et le vent se lève, hein, quand même. De toute manière, je vais pas trop tarder non plus, parce que j'ai une cinquantaine de kilomètres à faire en voiture. Là, ouais, c'est là, c'est clair, oui, c'est ici, c'est là, sur ce chemin que, oui, que Gus avait vu une brume passer devant lui, alors que pourtant c'était tout de même en plein été, et que, je sais pas si je peux continuer là-bas, tout droit, j'ai envie de passer par là un peu, et que, voilà, il y avait eu déjà un bruit dans ses écouteurs, dans sa caméra, un bruit d'explosion, je ne sais pas. Vous voyez, là-bas, il y a une voiture qui passe, en plus. Et, puis, qu'est-ce qui s'était passé d'autre aussi? Ouais, et puis cette brume, quoi, qu'il avait vue. Je ne sais pas, une brume... je sais pas, c'était bizarre. Dû à quoi? On ne sait pas. Parce que c'était une brume... Oh, il n'y a pas grand-chose, là. Il y a beaucoup de chapes. Bon, on en a vu une tout à l'heure.
Là-bas, je pense qu'il y en a. Bon, je vais refaire demi-tour, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Mais ouais, une brume, je ne sais pas. Elle n'était pas due à sa respiration, parce que à son souffle, hein, comme en hiver, hein, quand vous soufflez, il y a un peu de brume, de fumée qui sort de votre bouche. Mais là, c'était pas dû à ça, parce que bon, il faisait nuit, d'accord, mais c'était l'été. Il faisait pas extrêmement froid, donc, et pendant les autres moments qu'il parlait, on voyait pas de brume sortir de sa bouche. Et pourquoi là, à ce moment précis, il y avait de la brume qui sort de sa bouche? Vous voyez? Donc c'est pas possible. Donc ce n'est pas de la brume due à sa respiration. Je ne sais pas, un phénomène météorologique comme il l'a expliqué. Bon, c'est à réfléchir. Mais c'est vrai que c'est étrange, parce qu'en plus cette brume est survenue un peu au moment, aux alentours du moment où il y a eu ce bruit dans la caméra. Bon, donc voilà, étrange, hein. Étrange. Donc là, ça se passe pour l'orientation. Et encore avec des taggeurs qui sont venus. Hein. Bon, ouais, c'est vrai qu'ici, on peut faire de la course d'orientation. Hein. Voilà. Allez, je vais retourner vers le château. Donc là, je suis à nouveau au niveau du lac là qu'on a vu tout à l'heure. Le château est là-bas. Et là, je suis revenu un peu. Là, vous voyez, on voit un peu des structures encore en pierre hein, qui doivent dater de l'époque. Et là, je passe là-bas parce qu'en fait, j'ai l'impression... Il me semble que Gus était passé ici et qu'il avait vu... Enfin, qu'il avait vu... Je crois que c'est dans ce coin qu'il y a le lac... Le lac asséché où un enfant se serait noyé. Je ne sais pas si c'est ici, mais je trouve que ça ressemble l'endroit là. Donc je vais aller voir vite fait, mais bon, si je ne trouve pas ce lac, tant pis, ce n'est pas grave. Hein. Bon. Ah oui, puis il faut savoir aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo de Gus, je vous la mettrai dans le lien de la description, hein, parce que c'est assez intéressant à voir. Il avait également trouvé une petite voiture, un jouet, hein, une voiture miniature, qui était dans la terre pendant qu'il essayait d'interpeller justement cet enfant défunt. Et bon, cette voiture par contre date dans des années... je sais plus, mais des années 50, 60, la marque de fabrication de cette voiture. Mais après, elle ne date pas justement de l'époque de la guerre. Alors, vous voyez un poteau là, embêtant, ici. Voilà. Donc ça n'a pas pu appartenir à cet enfant. Pas mal ça. Le robinet. Pourquoi le robinet? Ah non, le robinet. Oh là là. Je suis énorme. Attendez. Le robinet. Je suis à plein arbre, le robinet. Ah bon, pourquoi pas. C'est vrai. Après, je sais pas si... Non, c'est pas ce lac là. Non, non. Le lac asséché est un peu moins grand. Et il avait même traversé une espèce de... Ah, il y a un chien. Ouais, un ponton là en bois. Non, je sais pas où c'est, franchement je sais pas. Peut-être là-bas. Là j'ai vu un chien passer. Alors je n'ai pas peur des chiens, mais bon. Il a une clochette. Mais j'ai toujours peur de me faire attaquer par un chien, vous savez. Même si j'aime beaucoup les chiens, je vous rassure. Donc là on arrive sur la partie encore bétonnée. Ouais, j'ai coupé en fait, c'est là-bas. Bon, je vais aller voir par là-bas s'il y a ce lac. Bon, je fais encore quelques mètres et puis après je fais demi-tour. Hein. Mais il me semble que c'est par là, enfin... Ça a l'air de ressembler à des promeneurs. Je vais faire attention non plus à ce qu'on voit pas des visages. Mais il me semble que c'est par là. Après, le fait de voir des promeneurs quand même, c'est... ça rassure quand même. Hein, parce que bon, au moins on voit que des gens viennent ici. Donc bon. C'est parce que c'est un peu la première fois que je vais dans des endroits justement un peu... Déjà que je rentre dans une maison là, comme la maison K, que je rentre dedans vraiment d'une manière... Enfin, dans ces bâtiments délabrés, abandonnés, qui ont vécu une histoire, ça me fait bizarre. D'autant plus que je suis rentré un peu par effraction, parce que normalement je n'ai pas le droit, vous avez vu.
Et là, bon, je passe par là, mais honnêtement, non, je pense pas que ce soit ici. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que bon. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Ce lac asséché. Enfin asséché, est-ce qu'il est encore asséché de toute façon, avec l'eau. Mais là vous voyez, il y a un peu de. Il y a encore des structures en béton là-bas, un cellier. Là on voit un poteau en métal, en acier, qui est couché sur un. Qui repose sur un arbre. Ouais. Voilà, on a quoi ici? Oula, c'est. Oh oui, d'accord. Je vais pas pouvoir passer là. Ok. Pour les amateurs de VTT, bon, je vous conseille pas de faire cette descente non plus. Ah, attendez. Une claquette. Voilà. Quelque chose en métal planté dans. Ouais, je vais repartir. C'est pas que je me sens pas à l'aise, mais bon, voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant non plus à voir, mais je sais pas, je préfère revenir là au chemin normal, je serai plus à l'aise quand même. Bon, allez, je vais retourner au château. En tout cas, cette forêt est assez grande. Hein. Et je me demande comment Gus avait fait pour quand même se retrouver, s'y retrouver quand il a été il y a été la nuit pour voir justement le lac séché, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il est, franchement je ne sais pas du tout lequel c'est. Et, je pense pas que ce soit ici de toute façon, parce que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans la vidéo. Ça doit être plus loin. Hein. Mais je ne sais pas par où il est passé. Ni... Ouais, mais ça c'est grand. Je suis content d'être venu, mais je ne sais pas, je ressens un truc. Je suis pas... Je sais pas, je ressens quelque chose. Bon, après c'est psychologique, hein, c'est clair. Mais je sais pas, je ressens quelque chose. Enfin, ouais. Bon allez, on va retourner au château. Et puis après, bon ben on va s'arrêter là. C'était surtout pour se balader, vous filmer ça en même temps. Mais voilà, je ne vais pas non plus. Bon. Voilà. C'est un joli domaine quand même. Regardez là-bas, ce tronc d'arbre, regardez, c'est assez marrant. Puis. Ah, ça fait presque comme une pointe en haut. Oh, pas mal ça. Bon, allez, je repars. Excuse-moi, j'ai pas trop de mots, hein, mais bon, c'est. Je sais pas. Je vois qu'il y a deux voitures qui sont arrivées encore, ouais, parce que tout à l'heure on avait des promeneurs, hein, ça doit être à eux. Deux, trois, ouais, même trois voitures. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, il n'y avait aucune voiture. J'étais le seul. Bon, surtout des gens qui viennent ramasser des choses ou qui viennent se. Ouais, voilà, marcher un peu. Bon, mais maintenant je vais retourner aux alentours du château, voir un peu faire le tour, voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que je suis juste resté devant là, tout à l'heure. Déjà je vais faire le tour, je vais voir un peu à quoi ça ressemble un peu. Alors je sais que oui, voilà, certains ont pu rentrer à l'intérieur, même Guzéis. Mais bon, moi comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dedans parce que. Voilà, là non, c'est beaucoup trop. C'est déjà un étage en plus, je veux pas prendre de risque. Je veux même pas passer par en bas là. Car vous voyez, voilà, il faut le savoir. Hein. Là, les portes que vous voyez en bas, en bois là, ce sont des trompe-l'œil. Hein. C'est juste de la peinture pour faire croire que ce sont des véritables portes. Mais ce ne sont que des portes, des trompe-l'œil. Hein. En réalité, c'est muré.
c'est tout de même bien fait, hein, parce que je pense que quand la peinture avait dû être bien fraîche, hein, quand ça avait dû être fait, de loin, on croirait vraiment des reports. C'est joliment dessiné. Bon, peint aussi. Donc là, voilà. Alors, vous aurez remarqué, hein, que par rapport à il y a quelques années, ben le château avait, enfin la nature avait commencé à reprendre ses droits. Le feuillage avait poussé sur les murs du château. Même c'était en 2015, hein, il y avait encore beaucoup de feuillage ici. Beaucoup d'oiseaux là. Mais là, il n'y a plus rien. Ils ont tout enlevé. Donc là, il y a une grille cadenassée. Bien sûr, on ne peut pas qu'on y aille. Bon, je regarde un peu. Ouais. Ah oui, voilà ce dessin que Gus avait filmé, rappelez-vous. Je fais le tour derrière et puis après je repasserai là pour me remettre devant le château. Vous voyez, les bâches que je vous parlais, hein, des cerfs qui font du bruit avec le vent. Avec des inscriptions aussi. Ça aussi, Gus l'avait filmé, il me semble. Ah, c'est des gens qui sont venus écrire. Ouais, bon. Bon, c'est gravé. C'est vraiment dommage de... Zidane Forever. C'est dommage de dégrader les murs en... Regardez ça. Franchement, cherche une femme. Cochonnant, mais... N'importe quoi. Franchement, c'est dommage de dégrader ces murs, avec des inscriptions vraiment peu intelligentes, quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez, les bâches, elles font du bruit, je vous le disais tout à l'heure. C'est les murs derrière. Là, on est derrière le château. Alors, regardez, là, on voit carrément l'intérieur. Ah ouais, là, on voit, là. C'est impressionnant. Hein. Vous avez entendu? Je sais pas si on aura entendu à la caméra, mais on a entendu quelque chose tomber à l'intérieur du château. Là, ça vient pas de là-bas. C'était bien à l'intérieur du château que quelque chose est tombé, je sais pas. Quelque chose en plastique ou quelque chose qui est tombé. Ouais, en tout cas, je ne montrerai pas. Par contre, on voit un peu une rambarde d'escalier, justement. Ouais. Ah non. Et bon, là, par contre, bon, là, ici, quelque chose qui a été complètement refait. C'est la salle des fêtes de Blanquefort. Voilà, donc là, bon, c'est... Voilà. Encore avec des inscriptions un peu. Donc là, on refait le tour. Voilà, on a fait le tour complet du château. Ouh là là là, c'était... Donc là, il y a cette maison aussi, qui avait été visitée par un youtubeur qui s'appelait Urban. Il avait réussi à rentrer dedans. Ouais, mais là, c'est muré, ouais, c'est fermé. C'est fermé. Parce qu'avant, c'était grillagé, et les portes étaient encore ouvertes, mais il avait réussi à rentrer. Mais là, ils ont enlevé le grillage, mais ils ont muré, ouais, ils ont fermé. Et à l'intérieur, ben oui, il n'y a plus rien, sauf qu'on voyait sur le mur la trace de l'ancien escalier, en fait. Avant de partir, j'ai envie de poser ma main sur le château, quand même. Et de me mettre au pied du château, là où est venu Gus faire une session de PVE. Par contre, je rentre pas à l'intérieur, hein, là. Je vous le dis.
n'oserait même pas passer la tête. Voilà. Oula, ouais. Ça y est, je suis au pied du château. C'est bizarre hein, parce qu'à la caméra, c'est beaucoup plus clair que dans la réalité, c'est plus sombre. Vous voyez ? C'est étonnant. Ouais. Voilà. C'est une belle bâtisse. Hein. J'espère qu'ils la laisseront quand même, qu'ils vont pas la démolir. Je pense pas, ils sont pas bêtes à ce point, non, ils vont la laisser. Donc là, vous voyez les portes hein, qui commencent bon, par contre à s'effacer. La peinture. Ouais. Ouais. Ouh là 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 là, c'est. Impressionnant. C'est impressionnant, enfin c'est impressionnant. Bon après. Mais je sais pas. Bon oui, déjà le fait de venir là, la première fois, ça fait un peu étrange. Parce que bon, au départ, on voyait toujours ce château sur internet. Et là on le voit dans la réalité. Donc déjà, il y a un peu ça. Puis bon oui, non, mais après, d'après tout ce qui s'est passé ici, et même avec les. J'ai envie de voir ces barrières, c'est en quoi c'est du, ah, c'est du métal. Oh, oui, c'est du métal. Ah, c'est du métal qui a bien rouillé. Hein. Ça doit dater de l'époque, hein, ça, hein, purée. Ouais. Et oui, donc, ouais, de tout ce qui s'est passé ici avec les chasseurs de fantômes, bon, surtout avec Gus DX. Je vous l'ai dit, je vous en parlerai souvent de Gus, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ses vidéos me plaisent aussi, et du coup, ouais, C'est un peu une référence parce que moi j'ai connu son endroit grâce à lui. Je connaissais bien sûr Blanquefort, hein, j'avais de la famille qui habitait dans cette ville, mais je connaissais pas ce coin et ce château. Et ouais. Alors donc après il faut savoir que ouais, voilà, là c'est la salle des fêtes et que bon ben il y est organisé quand même des. Parfois des fêtes pour même des mariages, des repas de famille, etc. Et donc oui, si je me positionne bien, donc c'était à peu près ici là qu'une photo avait été prise et voilà, je vous parlais tout à l'heure et on voyait à cette fenêtre là, attendez, je vais zoomer, ah, j'ai attrapé le bouton, là, à cette fenêtre là qu'il y avait une silhouette qui est apparue. C'était pendant un mariage, hein. Le mariage là, tout le monde était ici, là en bas, et là en haut. Ouais. Bon. Bon, moi, je l'ai vu. Voilà, bon, bah écoutez, moi, je vais y aller, hein. C'est bon, j'ai tout vu. Je vais y aller. Je vais partir. Bon, je vais m'adresser un peu de tout ça dans le vide, hein. Ne soyez pas choqués, mais bon. Bon, mais bonjour, enfin, j'ai dit bonjour à la maison cam, je dis bonjour ici. Merci, voilà, je venais juste un peu profiter. Voilà, juste visiter le domaine, voir un peu votre château, qui est très joli, très beau. Il est encore bien debout. Bon, il y a eu quelques dégradations, mais moi je ne suis pas venu pour ça. Donc, à vous, comme les autres, je vous souhaite un bon repos. Voilà. Bon. Allez, je vais faire un petit débrief dans ma voiture, je pense. Et puis, on se retrouve après. Alors, avant, juste une parenthèse. J'ai remarqué que là, regardez, c'est sur cette fenêtre-là, il reste encore un peu des morceaux de verre. Regardez.
Il en reste encore un peu. Bien, donc là nous sommes le soir, là, après cette journée, cet après-midi au domaine de Tanaïs. Donc petite conclusion, bon, je n'ai pas fait vraiment de chasse aux fantômes, hein. J'ai visité le lieu. Tout ce que je peux dire, c'est que bon, en tout cas pour une première fois, c'est, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant. Pareil, lorsque je me suis infiltré dans la maison K, je peux vous dire qu'il y a une sensation vraiment pesante. C'est vraiment, il y a une énorme différence, c'est même pas comparable, entre regarder la maison K sur une vidéo et y être pour de vrai. C'est complètement différent. Honnêtement, après mon passage dans cette maison, comme je le dis un peu plus tard, j'ai un sentiment en moi. Ce sentiment, je peux vous le décrire maintenant parce que j'avais du mal à le décrire dans la vidéo sur place. Mais là, oui, j'arrive à me rappeler à peu près. J'avais un peu un sentiment de, pas de tristesse, mais un peu de regret. Vous voyez, c'était pas un sentiment de joie. C'était plus un sentiment de regret. Mais à la fois, j'avais, oui, un léger sentiment de joie, mais différent du fait que j'avais enfin pu aller voir cette... j'ai enfin pu me rendre sur ce site que je voulais voir depuis les vidéos que j'avais regardées. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est une bonne expérience tout de même. Je vous conseille cette balade. Si un jour vous êtes dans le coin bordelais, ben, je vous conseille d'y passer. Car c'est un joli domaine, si vous aimez la nature également. Je vous déconseille plutôt de vous infiltrer, de rentrer dans la maison K comme je l'ai fait, car ça peut être dangereux. De toute manière, vous l'avez vu, c'est interdit. Et puis l'état de la maison, n'en parlant pas, c'est complètement... après vous faites ce que vous voulez, mais ne pensez pas là-bas pour dégrader. Car vous avez vu, il y a encore eu des inscriptions avec écrit « Wesh Gus ». Donc je vous l'avais dit, Gus Dix et Bibix étaient venus pour repeindre les graffitis qui marquaient leur nom. Et ils avaient même enlevé les graffitis, les anciens graffitis. Et finalement, il y a eu de nouveaux. Donc bon, n'y allez pas pour dégrader, ça ne sert à rien, franchement. Et c'est manquer de... C'est du vandalisme, voilà. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite promenade. Et je compte bien un jour retourner au domaine de Tanaïs pour me refaire une balade.